Bonjour, dans cette série de deux vidéos, nous traitons de la réponse immunitaire secondaire et de la vaccination. La première vidéo donc a présenté la réponse immunitaire primaire et la réponse immunitaire secondaire, et je vous y renvoie, il faut la voir avant de voir cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la vaccination et on va voir comment ce que l'on sait de la réponse immunitaire secondaire nous permet de mettre au point des vaccins qui nous permettent d'être immunisés contre certaines maladies. Pour présenter les principes de la vaccination, on va commencer par présenter une expérience historique. Donc on va présenter ici une expérience historique qui a été réalisée par Pasteur. Et donc au départ de cette expérience, on a une culture de bactéries virulentes, de bactéries pathogènes, et dans cette expérience historique, Pasteur a utilisé des bactéries responsables du choléra. Donc dans cette culture de bactéries, on a donc plein de bactéries virulentes. On a des poules, et on va injecter à ces poules les bactéries virulentes, donc les bactéries responsables du choléra. Et on va observer au bout de 1 à 2 jours la mort des poules. En parallèle de ça, cette culture, on va la laisser vieillir pendant plusieurs semaines, et après plusieurs semaines, on a donc une culture de vieilles bactéries. On a à nouveau des poules, et on va injecter à ces poules, cette fois-ci, les vieilles bactéries. On observe que les poules survivent, ça veut dire que donc les vieilles bactéries ne sont plus pathogènes, donc ne sont plus nocives pour l'organisme, et vont permettre aux poules d'assurer leur survie. Ces poules, on va attendre 7 à 8 jours et on va leur injecter maintenant les bactéries virulentes, donc les bactéries jeunes, les bactéries responsables du choléra. Et donc ces poules, elles ont rencontré pour la deuxième fois les bactéries puisqu'elles avaient déjà rencontré 7 à 8 jours plus tôt les vieilles bactéries responsables du choléra mais qui n'étaient plus pathogènes. Et on observe que les poules survivent au bout de 1 à 2 jours. On retrouve notre réponse immunitaire secondaire puisque les poules ont déjà rencontré les antigènes de ces bactéries lors de l'injection des vieilles bactéries. Sauf que cette fois-ci, on voit que en injectant des bactéries vieilles, donc des bactéries qui ne sont plus pathogènes, ça permet à la poule de survivre, mais de rencontrer une première fois l'antigène, ce qui lui permet plus tard, lorsqu'elle rencontre la bactérie virulente, de mieux réagir face à cette bactérie, donc de mettre en place une réponse immunitaire secondaire, qui va lui permettre de guérir de la maladie, alors que lorsqu'elle rencontrait ces bactéries virulentes pour la première fois, les poules en mouraient. Et donc ça, c'est les principes de base de la vaccination qui exploitent la réponse immunitaire secondaire en présentant à un organisme les antigènes de la bactérie ou d'un virus et en leur injectant donc des agents infectieux qui ne sont plus pathogènes, ce qui permet une réponse primaire. Et enfin, lors d'une rencontre avec l'agent infectieux pathogène, la réponse secondaire permet de garantir la survie des organismes. Donc cette expérience historique de Pasteur, il y en a eu d'autres également par d'autres scientifiques, met en évidence les bases de la vaccination. Grâce à cette expérience historique de Pasteur, et grâce à d'autres expériences également, on a pu voir que l'introduction d'un agent atténué, soit d'un agent vieilli, soit d'un agent tué, permet d'immuniser l'organisme, et lorsqu'il rencontre l'agent infectieux pour la deuxième fois, il est immunisé et donc va pouvoir guérir plus facilement de la maladie. Ça, c'est le principe de la vaccination. Donc maintenant, allons voir de quoi sont composés les différents vaccins. Alors maintenant, allons voir de quoi sont composés les différents vaccins qui existent aujourd'hui. Donc dans un tableau, on va présenter les principes actifs des différents vaccins, quelques exemples de vaccins et leurs avantages et leurs inconvénients. Alors tout d'abord, il existe des vaccins vivants, c'est-à-dire qu'on injecte à l'individu un agent infectieux vivant, mais atténué, donc qui ne va pas être responsable de la maladie. C'est ce qu'on avait vu avec l'expérience de Pasteur, où il injectait aux poules les bactéries responsables du choléra, mais des bactéries qui étaient vieillies, qui n'avaient plus de pouvoir pathogène, mais qui étaient quand même vivantes. On a également des vaccins inertes, cette fois-ci donc ce ne sont plus des bactéries vivantes ou des virus vivants. Donc parmi les vaccins inertes, on a des agents infectieux qui ont été tués, donc par exemple on tue la bactérie ou on tue le virus et on l'injecte à l'organisme, mais on peut également injecter directement certains antigènes qui ont été purifiés, antigènes qui proviennent de l'agent infectieux. Donc pour donner quelques exemples, les agents infectieux atténués qui sont des vaccins vivants, c'est le cas de la fièvre jaune ou du vaccin contre la tuberculose, où on injecte pour ces deux types de vaccins la bactérie ou le virus vivant, et ça va permettre que, comme on injecte un agent infectieux vivant, il va pouvoir se multiplier dans l'organisme. Comme il se multiplie dans l'organisme, on va avoir une quantité de pathogènes importante. Donc on ne va pas avoir de maladie puisque l'agent infectieux est atténué, mais comme il est en grande quantité, la réponse qui va se mettre en place, la réponse primaire qui va se mettre en place va être importante. Et comme elle va être importante, on va produire une grande quantité de cellules mémoire, ce qui permettra donc d'avoir qu'une seule injection, il n'y aura pas besoin de rappel. Lorsque l'organisme rencontrera éventuellement pour de vrai
l'agent pathogène responsable de la fièvre jaune ou de la tuberculose. Il aura une réponse immunitaire secondaire très efficace qui lui permettra de ne pas mourir et de guérir de la maladie. Ça, c'est le cas des vaccins vivants qu'on injecte. Ensuite, l'inconvénient de ces vaccins, c'est que c'est difficile à produire, d'atténuer des vaccins, d'atténuer des agents pathogènes. C'est quelque chose qui prend du temps et ça marche pas pour tous les types d'agents pathogènes. Et donc, c'est sans garantie de succès. En parallèle de ça, pour les vaccins inertes, on a les exemples du vaccin contre le choléra, l'hépatite A, le tétanos ou l'hépatite B. Et dans ces cas-là, on injecte soit des bactéries ou des virus tués, donc on va avoir aucun risque de maladie, mais par contre, comme ils sont tués, il n'y aura pas de multiplication dans l'organisme, soit on injecte des antigènes de ces pathogènes. Alors ça, c'est beaucoup plus facile à mettre en place, c'est moins coûteux, mais l'inconvénient, c'est que comme les bactéries ou les virus sont tués ou alors qu'on a juste des antigènes, la réponse immunitaire ne va pas être importante. Et donc la réponse immunitaire est moins forte, et ça va impliquer qu'on va ajouter des adjuvants à ces vaccins. Les adjuvants, c'est quoi? C'est des particules inertes, comme par exemple des sels d'aluminium, mais comme l'organisme va les considérer comme du non-soi, cela va permettre de mettre en place la réponse innée de façon importante. L'organisme va détecter une grande quantité d'aluminium. Et ça va assurer une réponse immunitaire suffisamment forte pour que les antigènes de l'agent injecté soient présentés par les cellules présentatrices d'antigènes et qu'il puisse y avoir une réponse immunitaire adaptative qui se met en place. Comme on injecte des agents tués ou juste des antigènes et qu'on n'a donc pas de multiplication dans l'organisme et donc une réponse immunitaire moins forte, dans ces vaccins-là, il y a nécessité de faire des rappels, c'est-à-dire de présenter à plusieurs moments de la vie de l'individu les antigènes en question, pour permettre des réponses secondaires à chaque fois. Et donc on voit que dans tous les cas, l'organisme rencontre pour la première fois les antigènes de l'agent infectieux, ce qui permettra à l'organisme, lors d'une deuxième rencontre cette fois-ci avec la vraie maladie, avec le vrai agent infectieux, de mettre en place une réponse immunitaire secondaire efficace et donc de guérir de la maladie. Donc si on récapitule, on prend l'exemple d'un organisme qui est non immunisé contre un agent infectieux. Donc il y a deux situations qui peuvent se produire. Soit il rencontre pour de vrai l'agent infectieux et on appelle ça une primo-infection, c'est la première fois qu'il rencontre cet agent infectieux. Il va mettre en place une réponse immunitaire primaire qui va donc permettre la guérison et la présence de cellules mémoire. Ces cellules mémoire vont permettre à l'organisme, lorsqu'il rencontrera l'agent infectieux une deuxième fois, d'être immunisé et donc de mettre en place une réponse secondaire beaucoup plus efficace qui fera qu'il ne sera plus malade lors de la deuxième rencontre avec l'agent infectieux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une immunisation naturelle. Elle est accidentelle puisque la maladie, l'organisme ne l'a pas souhaitée, mais une fois qu'il l'a eu une première fois, il est immunisé contre la maladie. Eh bien, la vaccination, elle utilise le même principe, mais sauf que cette fois-ci, ça va être une immunisation volontaire où on injecte un vaccin et donc l'organisme rencontre pour la première fois les antigènes et met en place une réponse immunitaire primaire. Donc là, il ne va pas y avoir de maladie puisque le vaccin, c'est soit des agents infectieux atténués, soit des agents infectieux morts, soit juste des antigènes, donc pas de maladie. Mais l'organisme est immunisé puisque comme il a rencontré une première fois l'antigène, il a mis en place une réponse immunitaire primaire et il possède des cellules mémoire qui lui permettront lors d'une deuxième rencontre d'être immunisé contre l'agent infectieux. Donc, dans le cas de l'injection d'un vaccin, on utilise les mêmes principes que lors d'une immunisation accidentelle, sauf que cette fois-ci, c'est une immunisation volontaire. Pour terminer avec les vaccins, on va parler du rôle des vaccins pour la population. Donc dans le schéma que je vais présenter, on va représenter en bleu les individus qui ne sont pas immunisés et qui sont en bonne santé, en jaune les individus qui sont immunisés et qui sont en bonne santé, et en rouge les individus non immunisés qui sont malades et contagieux. Dans une situation où personne n'est immunisé, lorsqu'on a des personnes malades, elles sont contagieuses et elles vont transmettre à un très grand nombre de personnes la maladie. Et donc on va avoir la maladie qui va se répandre très rapidement dans la population. Lorsque maintenant on part d'une situation où on a quelques personnes qui sont immunisées, immunisées par exemple parce qu'elles se sont fait vacciner, eh bien ces personnes, comme elles sont immunisées, elles ne vont pas tomber malades et donc elles ne vont pas subir la contagion. Donc on va avoir une maladie qui va être contagieuse, qui va se répandre dans la population, mais de façon moins importante que lorsque personne n'est immunisé. Enfin, dans une dernière situation, si la plupart de la population est immunisée, c'est le cas pour de nombreuses maladies comme la rougeole où il existe un vaccin contre la rougeole, lorsque des individus sont malades et contagieux, on a très peu d'individus qui vont être infectés, très peu de maladies, la contagion va être très limitée et ça va être permis par la vaccination. Ça nous montre que le fait de se faire vacciner
non seulement ça nous protège nous, mais ça protège également les autres. Il existe des individus qu'on ne peut pas vacciner parce qu'ils ont un système immunitaire faible ou parce qu'ils sont dans des conditions soit d'âge, soit de fragilité de santé qui font qu'on ne peut pas les vacciner. Alors dans ce cas, les individus qui, eux, sont vaccinés et immunisés, comme ils permettent de limiter la contagion, ils vont protéger les individus qui n'avaient pas pu être vaccinés et immunisés. Donc la vaccination, non seulement c'est important pour s'immuniser soi-même et donc se protéger d'une maladie, mais c'est également important pour protéger les autres, notamment ceux qui, malheureusement, ne peuvent pas bénéficier de la vaccination. Donc on a pu voir ce qu'était la réponse primaire et la réponse secondaire, et on a également pu voir les principes de la vaccination. Pour terminer cette série de deux vidéos, je vais vous parler d'une notion que l'on appelle le phénotype immunitaire. Prenons un individu, et dans cet individu, on a un certain nombre de lymphocytes, on parle de poules de lymphocytes. Ces lymphocytes sont très nombreux et tous très différents. Ils sont différents car à chaque fois, ils ont un récepteur différent, récepteur qui est à chaque fois spécifique d'un antigène différent. Donc on a plein de lymphocytes tous spécifiques pour des antigènes différents, et comme ces lymphocytes n'ont, à ce stade, pas encore rencontré l'antigène pour lequel ils sont spécifiques, on dit que ces lymphocytes sont naïfs. Pour ce lymphocyte-là, au cours de la vie de l'individu, il ne rencontre jamais l'antigène pour lequel il est spécifique, donc après quelques années, ce lymphocyte est toujours naïf. Pour celui-ci, il va rencontrer l'antigène pour lequel il est spécifique, et donc il va être activé, et il va s'amplifier et se différencier, et on va avoir un clone de lymphocyte mémoire spécifique de l'antigène. Donc après quelques années, on a un clone de lymphocyte mémoire spécifique de l'antigène 1. Pour ce lymphocyte, pas de rencontre avec l'antigène pour lequel il est spécifique, pour celui-ci non plus, pour celui-ci non plus, pour celui-ci il y a rencontre avec l'antigène à un certain moment de la vie de l'individu et donc production d'un clone de lymphocyte mémoire spécifique de l'antigène 2, et donc on a des lymphocytes mémoire qui sont spécifiques de l'antigène 2 au bout de quelques années, etc., etc. Ici, on représente une vaccination qui va permettre de sélectionner les lymphocytes spécifiques de l'antigène présent contre le vaccin, contre A, et on a également production de cellules mémoire. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au cours de la vie de l'individu, les lymphocytes dans le corps vont changer puisqu'on va avoir une évolution au cours du temps en fonction des différentes rencontres avec des antigènes, et on voit que le phénotype immunitaire, c'est-à-dire l'ensemble des lymphocytes de l'individu, change au cours du temps. Pour les lymphocytes jaunes ici, on a toujours des lymphocytes naïfs, alors que pour les verts, on a un clone de lymphocytes mémoire qu'on n'avait pas au départ. Si on prend un autre individu, cet individu, déjà, il ne possède pas exactement les mêmes lymphocytes que le premier. Tout simplement parce que les lymphocytes sont produits par des mécanismes génétiques aléatoires et complexes, et donc le hasard fait que les lymphocytes produits chez cet individu ne sont pas les mêmes que chez le premier individu. Cet individu ne va pas rencontrer au cours de sa vie les mêmes antigènes que le premier individu. Et donc au cours du temps, on va avoir les mêmes choses qui vont se passer, mais cette fois-ci, lui va rencontrer l'antigène X, antigène X que le premier individu n'avait pas rencontré. L'antigène X va sélectionner ce lymphocyte, va produire un clone de lymphocyte mémoire, etc. Et on va également imaginer que cet individu va subir un vaccin, mais cette fois-ci contre une autre maladie, contre B, et produire des lymphocytes mémoire spécifiques de B, etc., etc. Donc ce qu'on remarque, c'est que la composition en lymphocytes d'un individu change au cours du temps, au gré des différentes rencontres avec les antigènes ou au gré des vaccinations, et que le phénotype immunitaire d'un individu est différent à chaque fois et il évolue au cours du temps. Dans cette série de deux vidéos, nous avons présenté la réponse immunitaire primaire et la réponse secondaire, mais également les principes de la vaccination. L'essentiel à retenir dans tout ça, c'est que la première rencontre avec un antigène va permettre la mise en place de cellules mémoire qui permettront, lors d'une deuxième rencontre avec l'antigène, une réponse immunitaire adaptative secondaire beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. C'est le principe qui est utilisé dans la vaccination, où dans un vaccin on retrouve soit des bactéries ou des virus vivants mais atténués, soit des bactéries ou des virus morts, soit uniquement des antigènes, qui permettent une première rencontre avec l'antigène, et donc une immunisation de l'organisme. Lorsqu'il rencontrera la maladie pour la première fois, mais donc l'antigène pour la deuxième fois, l'organisme aura une réponse immunitaire secondaire très efficace, très intense, très rapide, qui lui permettra de guérir et donc de ne pas être malade de cette maladie. Nous avons également vu que le phénotype immunitaire qui correspondait à l'ensemble des lymphocytes qui composaient un organisme était quelque chose qui était différent d'un individu à un autre et quelque chose qui évoluait dans le temps au gré des rencontres avec les antigènes ou les vaccins. J'espère que cette série de deux vidéos vous a plu, n'hésitez pas à la partager et je vous dis à bientôt.